Bonjour les frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aïe aïe aïe, regardez l'écran s'il vous plaît mes frères et sœurs. Regardez ça, pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Un homme est dans cette terre comme une femme. Seigneur Jésus, écoutez, le rappeur américain. Linax, il serait enceinte. Aïe, aïe, aïe. Hein? Comment c'est possible? Ouais, vous êtes fort, hein? Seigneur Jésus, oh, Seigneur Jésus. Honnêtement, moi, quand j'ai entendu ça, hein, il y a juste quelques jours, je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai cru que c'était la blague. Oh, je me suis dit, oh, ce sont des conneries. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il a? C'est quelle histoire matin là? Mais quand je suis tombé sur ça, une échographie montrant quelque chose à l'intérieur, je me suis dit, mais what? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quoi ça encore? C'est de 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 quoi ça encore? Hey! Ça, c'est vraiment quoi son corps? Regardez bien là-bas. Regardez son ventre. Vraiment, c'est pas une jolie idée. C'est pas beau du tout. Seigneur, je sais pas. Je suis. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Attendez, je vais vous montrer son ventre à l'état naturel. Regardez. Ça, c'est son ventre à l'état naturel. Vous voyez? C'est comme ça il est. Mais, ne sait pas ce qui a pu se passer par la tête pour qu'il fasse ça. Que se passe-t-il dans la tête de certaines personnes? Attendez. Regardez. Et regardez. Regardez encore. Et regardez. Ce sont les jeunes des gars comme ça qui sont gâtés le nom des Africains. Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Il faut dire. Regardez. Comme si de rien n'était. Hey! Et on se dit qu'on est riche. Est-ce qu'on se dit qu'on est riche? Quand Dieu nous parlait de ça dans la Bible, on pensait que c'était de la blague, non? Allez lire le livre de l'Apocalypse. Allez lire le livre de l'Apocalypse, dans les premiers chapitres. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Dieu dit qu'il voit une église comme il voit une église qui se dit et qui prétend être riche, alors qu'en réalité, elle est pauvre. Il y a des gens que vous voyez qui ont beaucoup d'argent, qui ont fait le buzz, qui ont fait les choses, qui ont fait des trucs, mais quand l'Esprit de Dieu n'est pas avec vous, hein, et que vous n'écoutez pas Dieu, vous en faites à votre tête. Hein. Votre sagesse là, c'est de la folie devant Dieu. Eh bien oui! Quand Dieu nous disait que la sagesse des autres, c'est de la folie là, les gens ont cru que c'est de la blague, non? Mais regardez! Regardez! Ah, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Damn! Ça, c'est quoi ça? Attendez, est-ce que vous vous souvenez de ça? C'est le même gars. C'est le même gars qu'on avait vu en train de danser le diable. Et c'est le même gars. C'est le même gars qui dansait le diable il n'y a pas longtemps là. Maintenant, il est devenu enceinte. Il est tombé enceinte. Est-ce que c'est vrai tout ça? Regardez. C'est cette chaussure-là, on nous dit qu'il y a une goutte de sang, il y a des gouttes de sang là-dedans. On dit que la partie qui est rouge, ce que vous voyez, quand on dit que cette partie qui est rouge là, contient du sang, quelques gouttes de sang, quoi. Et puis on voit ici 666. Peut-être qu'il a été travaillé pour le diable et que le diable était en train de l'utiliser comme un support pour passer son message. Un message mauvais. Et regardez, c'est Luc 10, 18. Qu'est-ce que ça dit? Je
Je pense que c'est ce verset qui dit que je vois le diable tomber du ciel comme un éclair. Je pense que c'est ça, non? Allez lire, allez chercher. Luc 10, verset 18, qu'est-ce que ça dit? Cherchez les amis, que personne ne vienne vous tromper dans le pays, là. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Après la recherche, il m'a été dit que, en fait, le gars, il n'est pas enceinte. Il n'est pas enceinte, mais ça, c'est quoi ça? On lui dit que c'est juste son médecin qui a soufflé de l'air dans son ventre pour que ça fasse grossir le ventre. Sinon, après, son ventre va reprendre sa forme initiale. Mais comment c'est possible? On dit qu'il y a un virus qui a défatigué les gens. Vous ne vous attaquez pas à ça. Hein? Vous allez chercher à mettre du vent dans le ventre d'une personne. Ainsi, c'était une manière pour eux de nous faire croire que le fait de recevoir du métal dans son corps, ce n'est pas un problème. Ou du vent dans son corps, ce n'est pas un problème. Et si c'était ça en réalité? Parce que les stars de la musique que vous voyez là, ce sont des gens qui font de la publicité pour d'autres personnes, des gens mais du monde des ténèbres. Et si le diable veut transmettre un message et qu'il aimerait vraiment bien que son message passe, il va utiliser les stars de la musique afin de transmettre son message. Les stars de la musique, elles s'en foutent. Hein. Elles, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. C'est ça là. Vous voyez, non? Donc, que ça aide les gens, que ça détruise les gens, ces gens-là s'en foutent en réalité. Tout ce qui les intéresse, c'est les thunes et ce qu'ils vont avoir derrière. C'est tout, hein? Même s'il faut vendre son âme au diable. J'ai entendu une personne qui disait, hey, vous vendez votre âme au diable juste pour avoir iPhone 12. Bientôt, iPhone 13 est sorti, vous allez faire comment? Alors que ceux-là, ils vendent leur âme au diable juste pour avoir tout ça, toutes ces choses, des palais, même ils peuvent maintenant acheter une planète. Mais, après tout ça, où est-ce que tu vas? En enfer? Ou au paradis. Est-ce que à ce niveau de la compétition, on peut dire que Lunas East, il ne sait pas ce qu'il fait? S'il connaît Luc 10, verset 18, c'est qu'il sait ce qu'est la parole de Dieu. Il connaît bien la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas lui apprendre quelque chose. Il sait très bien ce qu'il fait. Et il a signé pour ça. Oui, c'est ce pourquoi il a signé. Donc, il ne fera que faire ce qu'il a envie de faire. Maintenant, vous pouvez croire comme ne pas croire. Même chose est sûre. C'est que ses œuvres sont là et les gens voient ça. La preuve en est que c'est venu me trouver ici. Moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai cru que j'ai de la blague. J'ai dit, oh, c'est une histoire. Mais quand c'est tombé sur ça, là, la fin de l'échographie et tout ça, je me suis dit, mais quoi? Même les femmes ont commencé à réagir. Elles ont commencé à dire, hé, hey, vous, toi là, tu te moques de nous ou quoi? Est-ce que tu penses que pour porter 9 mois de grossesse, c'est facile? Et puis tu veux faire tout pareil? Je vous parle de quelque chose. 500 commentaires au moins, hein, commencez à bavarder sur ça. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Plus vous bavardez, plus ça ne fera qu'attirer l'attention des gens sur ce gars et sur ce qu'il est en train de faire. En fait, ce message est déjà passé. Pour moi, c'est comme une manière de préparer les gens à recevoir l'arrivée du diable, quoi. Mais en passant par les choses les plus simples, les trucs pareils construits nature, je n'ai pas voulu tout vous montrer ici, hein. Sinon, il y a d'autres images où on le voit embrasser un autre homme. Oui, Suisse embrasse un autre homme. Il y a tant de choses que le gars a fait, hein. Je ne peux pas tout vous montrer ici. Mais c'est une manière aussi de vous dire, mes frères et sœurs, faites attention, sur cette terre-là, il y a des serviteurs du diable. Et ces serviteurs du diable, vous devez les laisser faire leur job. Laissez-les faire leur travail. On les reconnaîtra par leurs œuvres. N'est-ce pas ce que Dieu a dit? N'est-ce pas ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit qu'on va reconnaître le vrai prophète par la connaissance de ce qu'il a dit. Et on va reconnaître un vrai par rapport à ses œuvres.
Un bon arbre ne produit jamais de mauvais fruits. C'est seulement un mauvais arbre qui produit de mauvais fruits. Maintenant, si ces fruits sont là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites-vous directement que vous avez affaire à une personne qui est possédée, qui est partie depuis longtemps. Elle n'est plus là. Et c'est là où je vais vous parler. Écoutez, si c'était là, il y a des gens qui sont possédés, mais ils ne sont pas au courant. D'autres le savent, mais la plupart ne sont pas au courant. Une personne possédée par un ou plusieurs démons et qui se met à faire des choses étranges. Parce que vous devez dire, vous devez savoir quelque chose. C'est que tous les mouvements que vous faites là est poussé par un esprit. D'abord, vous devez être d'accord pour prendre une décision, non? C'est-à-dire votre esprit doit être d'accord et tout ça. Maintenant, il y a quelque chose qui dépasse votre esprit, votre conscience, vos idées. Si tu es habité par le Saint-Esprit va vraiment beaucoup t'aider dans ta prise de décision. Oui. Mais si tu es habité par l'esprit du mal, ou encore par les démons, ce sont les démons qui vont t'amener à ça, jusqu'à ce niveau. Vraiment, mes frères et sœurs, c'est grave. Il y a une vidéo même où je voyais un homme qui allait se faire enlever le sexe pour remplacer cela pour les femmes, là. Toi, tu es garçon. Tu veux avoir le... non, c'est pas possible. Je ne sais pas comment prononcer cela. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Hein. Donc, restez concentrés et restez connectés. Dites-moi surtout ce que vous en pensez en commentaire. C'est parti pour la prochaine vidéo.